C'est à moi, j'ai fait changer les plaques, c'est tout. Faut que j'aille à la mairie là, j'ai tous les papiers. Bah là, il faut y aller vite. Bah oui, vous inquiétez pas. Monsieur les agents, je vais vous galocher et on oublie tout, ok? Non. Sérieux? Ah, mais. Eh, hey, mais t'es dégueulasse, Phil. Arrête, 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 arrête. Va faire ça. De toute c'est simple, si vous partez pas, je vous twerk sur vous. Ah, vous c'est bon, ouais. C'est bon, monsieur l'agent. Monsieur, je vous jure, j'ai un rendez-vous pour me changer. Va vite à la mairie, va vite à la mairie. Ouais, ça marche. T'as de la monnaie ou pas? T'as de la monnaie ou pas? Oui, non, mais pas besoin. Clip d'or. Ah, pas besoin? Comment ça, pas besoin? Bah, il te fait une facture. Le 84. Ah, bah, c'est bon. Tu payes plus tard. C'est bon. Ouais, t'es trop un frère, Clip. Y'a pas de verre. C'est bon, je suis bien. Et pourquoi il s'appelle Rib le poteau là? Il est très gentil. Limite le rat, je te re-offre. Tu vas te calmer, Rib. Frérot, ici on a des Choco Bueno, on a des NAT, on a des NS, on a des Namanashi. C'est pas avec 100 bits que tu nous amadoues ici. Il a des churros sur la tête. Eh frérot, arrête. Mouhla. Mad. Sure. Ouais, non, merci à toi, mon ref, merci beaucoup. Bah, je te laisse regarder les refros sur ma carte. Les refros, ouais, ça te plaît. Oh, les vidéos. Donc, moi, je vais te donner les nouveaux vêtements. Oh, le fils de pute. Je vais te montrer comment on s'est changé. Arrêtez, mais arrêtez, les gars. Les... Oh, non, mais. J'aime. C'est quoi ces accents là? Non, je peux aussi ne pas vous vendre de vêtements. Voilà, non, monsieur. Non, ça peut se faire aussi. Il est pas Mowgli. Mais s'il vous plaît, moi aussi, il faut une tenue. Moi aussi, s'il vous plaît. Ah, pas souci, pas souci. Mowgli, c'est bon, Mowgli. Est-ce que tu trouves que ce style a vraiment les raccords? Vas-y, Tobias. Mowgli, la veste 1. Ah non, la veste 311, pardon. Les numéros 311, s'il te plaît. Mais non, mais je suis où là? Ah. Je suis où là? Merci Gookie. Tu vois celle-là? Il est trop mignon. Ouais, c'est gentil, mon rat. Attends, ouais, c'est pour Kevin, celle-là, ouais. Et attends, pas fini. Qui veut s'habiller? De quoi? Et après, il me faudrait un chapeau, s'il te plaît. Roya, mets-moi la même tenue que Tobias, je me prends pas la tête, vas-y. Et le chapeau, attends, je vais juste te dire. Attends. Mais viens là-bas, viens là-bas. Touche pas. Couleur 5, s'il te plaît. C'est bon, c'est carré? Merci Choco Bueno. Merci à toi, mon ref. Comment on sort? Merci à toi, Choco Bueno, mon ref. Vas-y, moi la même tenue, mets-moi la même. Mais dis à ton pote, une tenue, il te la donne. Et moi, je te laisse. Sinon, donne-la moi directement. Non, il doit payer, il doit payer. Il doit payer 300 balles. Ah, vas-y, on va le catalogue avec moi. Moi, je connais pas, moi, je sais pas comment ça marche. De quoi? C'est bon? Après, faut du liquide. Hein. Laisse-moi. J'ai du liquide. Non, non, reviens. Ah non, c'est bon. Ah oh, putain, moi je connais pas, mon ref. Bouge pas et laisse-moi me s'occuper vas-y, de tout. Vas-y. Regarde le catalogue avec moi juste. Ouais, c'est bon. Ok, c'est parfait, bouge pas. Ah, c'est trop stylé. Il t'habille, t'es une petite princesse et tout. Je suis mort. Comme ça? Mais pas le même. Ouais, vas-y. Hop. Oh ouais, des crocs. Non. Oh putain, incroyable le bandana. Non, c'est cramé. Voilà, tu veux un autre potalo du coup? Vas-y, un autre potalon. Des Black Cat. Ah, ça c'est Black Cat celle-là? Bah oui. Mais pas comme. Nous comme. Tobias en vrai, potalon. Pourquoi? Pour un jean noir, celui-là, les familles, celui-là. Hein. celui-là, reviens en arrière. Derrière. Oh celui-là. Waouh, celui-là. Wow, il est affreux. Ah, regarde les mollets. En noir. Regarde les mollets. Ah là bah, là. Je te rendrai à 42 là. Voilà. Oh, c'est affreux. C'est affreux. Subhanallah. Les chaussures, croyez, les chaussures. Les claquettes obligées. Non, c'est bon, c'est bon. C'est là tout là. Ce qu'il vous fallait, ouais, monsieur. Parfait. Un vrai familise là. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Parfait. Vous et, voir. Et avec ça, je suis en familise ou pas, monsieur? Vite fait. Franchement, y'a vite non, attends, fait un truc. Hein. Attends, j'ai pas montré à tout. Là. F4L. Ah, ça change tout là. Là, ça F4L. On dirait que K. Vas-y, pardon. Bon, allez. Vas-y. Merci beaucoup, messieurs. Merci, au revoir. C'est allez, go. Go. Du coup, là, les pinces. Qu'on aille prendre les défilés, non? Dans le quartier, faut aller, je crois. Wow. Mais moi, j'ai point GPS, s'il te plaît, chef. Vas-y, Familis, je suis Familis. Tu sais pas. Ah, Familis, vas-y. Vas-y. J'appelle Phil, c'est parti poser le pétard. J'appelle Ronflex, je dis qu'on arrive. Carré, on a ce qu'il faut, c'est nickel.
Quartier Families, rendez-vous. Ma ceinture. J'ai un Kinder. Bonne nuit, Clacla. On y attend. Dans ton LTD. Allô. Ouais, on arrive. Vas-y, carré. Vas-y. À 18. À 12-8. J'ai fait un crédit. Pour la télé, la même moi. Oh, Chelsea out. C'est levé chaud dans la voiture. Benzema, il passe. Real passe. Banks. Ça veut rien dire ta phrase, Fortune. Là, je crois qu'on va bien être intégré au quartier. Là, faut Real parler passe. Comme eux, les gars. Allô, ouais, ça devait être un match de ouf, frère. Moi, je parle des gens comme eux, vraiment. Aïe. Ouais, big up. C'est un plaisir, big up. Benzema, il passe. Aïe. Big up, le mec de Hood. Big up. Hey, Oleman. Ça va ou quoi? Ouais. Yo, Oleman. Ça va ou quoi? Yo, Oleman. Yo. Hey, yo, big up. J'ai même pas honte. Yo, man, tu me reconnais pas, hein? C'est moi, j'ai Kefta. C'est le tonton. L'accent Kefta. Tu vois, ça faisait stylé, c'est pour ça. Ouais, yo, j'arrive, yo, big up. Giga raciste, enfoiré. T'es raciste, ouais. Non, je suis pas raciste. Ça va t'enculer, yo. Arrête, je fais pas partie de les... Yo mec, hey yo, maintenant faut prendre les décisions dans ce putain de hood. Oui, gros pantacourt là. Putain, j'aime bien. Franchement, le pantacourt c'était le côté Kefta, j'étais obligé. Ouais. Ça tue, hein. C'est quoi ça? C'est ma tenue. Non, les cheveux, c'est quoi ça? Mais il a un flanc, c'est un familier. Attends, tu parles ta casquette sur les cheveux là, que t'as depuis 4 ans? Bah oui. Non mais Tom Srota, vas-y, va. Les tenues. Vas-y, vous êtes prêts ou pas? Tout le monde c'est est prêt? C'est bon, tout le monde est prêt? Il manque qui? Il manque Fils? Fils, c'est bon? La Kefta, t'es un vrai familiste gay. Là, vraiment, c'est trop stylé là. Bien gay. Ouais, les cheveux roses comme ça. Ah, comme ça là. Oh là là. Grrr. C'est bon, tout le monde est prêt? Vas-y, bah ouais, mais faut pas qu'on prenne cette voiture, nous. Faut qu'on monte avec eux. Hein. Familiste gay forever! Alors là, par exemple, baisse les bras. Oh, c'est là. Coucou les malas, nous sommes des familles. Hein. Y'en a, ils sont pas fans des familles. Nous, on est des familles. Coucou les familles. Aïe, on rigole les man. Yo, cassez-vous de là. Cassez-vous de là, on va vous enculer. Eh, j'ai oublié de faire ma tenue, moi, j'ai pas de tenue verte. Bah, mais on attend que toi, mon pote là. J'arrive. T'es avec nous, t'as disparu, tu casses les couilles, Phil. Je suis là. Je t'appelle pour des plans et tu nous ralentis tous, non, enculé, va. Désolé, je suis un dodan, j'arrive. De ouf, t'es un pire dodan. Je vous ralentis, j'arrive. Yo. Ouais. Ouais, je peux t'aider, petit. Yo. Je peux t'aider, c'est mon hood ici. Comment ça c'est un hood ici? Yo man, va me ramener une canette putain. Voilà. Tu veux un wesh? Ouais, ramène-moi un petit wesh putain. Vas-y, je vais te ramener un wesh. Ouais putain. Même pas il s'est mis en vert, même pas il a suivi. Kefta, t'arrives à gérer tes potes des fois ou pas? Yo. Ah non mais Tobias c'est mort et Halib c'est mort. Après. Ils sont ingérables. Ah ouais, non mais c'est bizarre. Ça va les errer à coup de cela, ça, je crois. Ah, vas-y, hein. Franchement, moi franchement, tu le fais. Moi, j'ai rien vu, hein. Bon, les mecs, c'est bon, quoi, là? C'est ça, un braillage avec des électrons libres. OG, les pilotes dans les voitures, non? Allez, bon, écoutez, les boys. Vas-y. Maintenant, ça va être simple. Je suis tout le monde. Arrêtez de souffler. Je suis tout le monde autour de moi. Ouais. Eh, blanc, quoi, là? Tout le monde. Tout le monde autour de lui, ouais. Oh là là, le straighter. Fils, mets-toi sur le côté. Fils, j'ai pas envie de tuer. Vas-y. C'est bon, j'ai du verre, c'est bon. Vas-y. Carré. Boys, écoutez, arrêtez, vous fermez vos bouches. Bon, ça va être une bijouterie éclatée. Voilà. Le plan, il est nul. Non, mais... le plan, il est bien, arrête. Écoute, on vous laisse gérer. Arrête. Alors, on vous laisse gérer dans le sens où on vous fait confiance. Non, yo, les boys, on va régler ça en mode Fast and Furious. On va sortir toutes les chops. Du coup, les braqueurs, Mefta, montre la chop. Tu vas me dire c'est qui les braqueurs. Moi, je vais mettre le lacrymo en haut là. Ouais, ben carré, vas-y carré, du coup, y'a qui avec toi de ton équipe? Y'a qui de ton équipe qui veut rentrer dans la bijouterie? Moi j'ai une lampe torche. Bah moi, le thé, après, je sais pas moi, après c'est vous qui voyez, hein. Bah voilà, vous avez des masques pour les hôtels? Androphile, je sais pas moi. Ouais, ou BBC Ronflex, de nous, de vous. Vas-y carré. C'est ça le truc. Nous on a des masques à gaz déjà.
Ah non, c'est. Tiens, ouais, Flex, je te donne ça pour les étages. Du coup, le truc, c'est que nous, comme on vous a dit, on va aller dans, on sera dans le parking là-bas. On va ramener le plus de tirs possible. Tu sais, vous. Essayez de vous mettre quand même au premier étage et quand on vous le dit, vous descendez. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, carrément. Parce que si vous allez en bas, ils vont dire: ah, c'est bizarre, il y a plein de voitures au parking là-bas. Non, non, premier étage, on sera premier étage. Tu vois? Et dès qu'on vous voit rentrer, dès qu'on vous voit monter, on... c'est là où on accélère. Vas-y, voilà. Carré. Bon, vas-y, les boys. Vas-y. Moi, je suis bien chaud de me mettre dans le tunnel là, dans le machin là, dans le garage. Bah, on sera tout, tout le monde sera dans le garage. Sauf BBC, Ronflex. C'est les seuls families. Vas-y, moi je prends la Buffalo. On prend la Buffalo. C'est laquelle? On prend laquelle, Buffalo? Prenez la normale, la Buffalo, c'est Andrew qui va l'utiliser. C'est laquelle? Tu veux pas faire un plan secours argent, mec? On prend la Buffalo? T'inquiète. Attends, si on doit réparer les véhicules, il y a les mécanos juste en face là. Vas-y. Vas-y, mec, meuf ta. Aïe. Oh, le strike! T'as du coup, je vais avec toi et c'est. Vas-y. Viens. Elle s'est fait fouetter par une voiture. Le mec qui s'est flex, c'est ce que t'as fait avec mon cœur, tu l'as renversé. Voilà, ils ont oh, c'est trop mignon. Bon, ok, tuer, on va tuer Phil. A tout à l'heure, on va tuer nous. Attendez. Attends, mais attends. Il y aura une deuxième Buffalo avec vous. Andrew, prends la Buffalo S. Attends, vous avez combien de Buffalo en tout? T'as dit quoi? Vous avez combien de Buffalo en tout? On en a qu'une seule de celle-là et une Buffalo S. Ok. Il y a celle-là qu'il faut réparer, les gars. Non, non, celle-là non. Donc, Andrew ou Phil? On m'a dit que c'était celle-là qu'il fallait. Mais un véhicule à réparer ou pas? Buffalo S. Les mondes, on peut faire une prédiction? Je pense qu'on se fait péter, moi. Moi, je pense qu'on se fait péter. Halib, je sais pas ce que tu fais. Vous voulez qu'on récupère le compte des otages aussi? On a pas oublié, il faut oublier ça aussi. Moi, je pense que je vais rester sur le cross, moi. Ah oui, merde, les otages. Non, pas de cross, les boys, s'il vous plaît. Ils sont les mecs. Marie, tu m'as pas dit, wesh. Je savais pas, je voyais. Tobias, tu m'entends? Oui, on t'entend. Tobias? Oui, je t'entends, ouais, Si on se fait pas attraper, je suis une pute. Bon, je roi, ok. Je tweet, je tweet. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien à réparer? Vas-y, c'est bon là, on va chercher des otages du coup. C'est nous, il faut deux voitures à la banque là-bas. Ouais, il y aura Andrew avec vous, avec la Buffalo S. Ouais, mais deux Buffalo, après ils vont juste suivre les Buffalo. Hein, faut une Buffalo, une Primo à la rigueur. Prends la Primo, tu sais quoi, Andrew? Moi je prends quoi? La Primo? Vas-y, elle est où? Aïe. C'est celle avec les. Mais toi, fond. Il m'a pété mes vêtements, yo. Vous avez des Glocks sur vous ou des P7? Ouais, on a un P7. C'est le orange. Jennifer. Ah oui, les Garfield. Ouais. Ah oui, je vois. Il m'a appelé, il m'a dit il a un contact. T'inquiète. Il a dit il va nous glocker et tout, il va nous passer des glocks, je pense. Ouais, ouais, t'inquiète. Fais attention à toi, je te le dis. Mais il a trop un flow, le mec qui va avec son vélo là. Je vois du tellement les cistas du quartier là. Il va lui faire l'amour. Eh, Andrew, il a fond dans son personnage, hein. Oh, Eminem, calme-toi, Roya. La crosse. C'est qui drague les meufs du quartier là? C'est Ellie là-bas, il drague. C'est des électrons libres, ils peuvent pas s'organiser tranquille. Ouais, dis-toi, c'est comme ça tous les soirs. C'est une dinguerie. L'autre il va à droite, l'autre il va à gauche, l'autre il va à droite, l'autre il va à gauche. Ah, t'as vu. Oh, c'est horrible, frère. C'est n'importe quoi, t'inquiète, il y a les deux P7 ils arrivent. Les deux P7 ils arrivent. Big T. Non, moi je suis calme depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Moi je suis bien, moi depuis tout à l'heure, je suis bien, frère, j'attends juste qu'on se casse. Willow, c'est l'audi ou pas? Vas-y, j'écoute les grands. Voilà. Donc, ah, les P7 ils vont arriver. Vas-y Sarah, on se rappelle, on va boire un café ensemble. Est-ce qu'il y en a un, il peut sortir pour jouer d'un des P7? Il y en a un, il peut... Ta gueule, Tobias. C'est un BBC. Comment ça ferme ta gueule, man? Hey yo, moi c'est pas Tobias, il y en avait qu'un seul. Appelle-moi le Big T, bro. Hey yo. Super le Big T, aka... Ah, il décide ou pas mon accent, les man? Ouais, de ouf. Marteau et tout, là. Putain, vas-y, je ferme les yeux, fais voir, vas-y. Pas que je te casse la gueule. Putain, je me crois dans Menace City.
T'as capté ou t'as pas capté? Oh, Sarah, mets son gros corps au milieu de la route là. Oh, les bâtards. Vas-y, Sarah, bouge de là, frère. Sarah, bouge. Sarah, pousse-toi, tu crées un bouchon toute seule. Première sommation. Les boys, allez, parking rouge, allez récupérer le premier otage. On en a déjà récupéré. Allez, c'est parti. On va chercher un otage, on va chercher un otage. Parking rouge, il a dit. Vas-y, vas-y. Dis-moi, on récupère. De toute façon, t'as leur numéro, Ronflex. Bah ouais, normalement. Vas-y, de toute façon, c'est nous, on va commencer le braquage. Eux, ils vont se mettre en place tout seuls, laisse tomber. Faut juste dire à Andrew que. On démarre. Ouais, parce qu'il vient avec nous. Allez, on fait comme ça, soyons folles, hein, soyons folles. Parce que Andrew, il est dans la voiture aussi. Attends, parking rouge, c'est là-bas, non? Parking rouge, ouais, c'est tout droit. Tout droit, tout droit. Ouais, Il y a un autre. Après, c'est gauche. Au parking rouge. Attends, ouais. Gauche. Attends, wesh. Oh! Ce bordel! Attends, refais! Attends! Vas-y! Dans 100 mètres, tournez à droite! On dirait la voix dans TD2! Je sais pas si vous connaissez le jeu là! Non! Non! C'est un jeu de simulateur de voiture comme. Je crois que c'est UTD! UTD2, je sais plus c'est quoi! C'est avec une TD dedans! Ah ouais? Ouais, pour bref! ETS? ETS peut-être? C'est un jeu ou c'est une filière de maths? Non, non, flop! Flop! Pas d'otage là, pourquoi il nous parle d'otage ici? Parking rouge, bah si, c'est qu'ils doivent en avoir. Ah, ils ont. Attends, personne descend. Attends. Ils ont un otage là? Attends, va voir. C'est TDU le jeu. Et c'est quoi TDU? Oui, ouais. Il est incroyable. Ouais, vous avez un otage parking rouge, mais y'a pas d'otage. Ouais. Vous avez un otage? Ouais, carrément. Ah, vas-y. Ah, que fait-il? Il a dit avant, on cherche un otage et on se rejoint parking rouge quoi. Ah, vous nous avez. Ah, je crois. Vas-y, attends, mets ça, bouge pas. De quoi? Mais, en fait, c'est eux qui nous ramènent l'otage. Nous, on attend ici. Hein? Ils l'ont l'otage là. Oh, vous allez le faire entrer, y'a plus de place avec vous. Bah, dans le coffre, on s'en bat les couilles. Plus de place. Mais dans le coffre. Nous, on a encore une place, au pire, on va le chercher. Mais non, mais dans le coffre. C'est vous qui voyez. On reste avec lui, on reste ici. Ouais, bah, juste mon chat. C'est enculé. Vous avez la rêve de ce bruit ou pas? Je crois, non, c'est pas les télé-tubies. Non, c'est dans Top Boy quand il meurt là, sur le toit, l'autre là. Ah, bien vu le spoil, j'allais regarder en plus. Mais non, mais c'est la saison 1, wesh. J'ai pas vu, mais merci, non, mais merci. On t'amuse. Non, mais c'est même pas Semera. C'est quoi la fin? Rocky, il meurt. Allez hop. Non, mais j'ai vu la fin. Voilà. Allez, là tu viens de spoiler les autres là du coup qui sont rien à foutre. Rocky meurt. Après t'as crié des. Insultez-le. Tu sais un truc, Al Pacino il meurt à la fin. C'est qu'Al Pacino. Non mais putain. Dans Narcos. Non oui Narcos. Oh putain. Moi je regarde pas moi rien. Narcos il a dit oui. Mais j'ai pas le temps de regarder les séries. Pas le temps de business frère. C'est qui Pablo Escobar pour toi s'il te plaît? Ah c'est mon Zincou frère. Ah ouais. Captez les contacts. Wouah, pourquoi t'as déjà spoil de ouf à la fin là? En plus, c'est vrai. Ouais. Qui, moi? Ouais, toi. Avec Scarface? Non. Oui, Al Pacino. Ah, bah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est compliqué. Hein, ça. C'est un film de 1973, au cas où, ouais. Attends, si ça intéresse des gens. Ils avaient à peu près 45 ans pour le voir. C'est vrai. Ils avaient le temps, 50 ans même pour le voir. Tu parles de qui quand tu dis il? Ceux qui disent ah, spoil! Non, mais spoil. Toujours! Cette allusion là m'énerve là. Mais on fait quoi là? Pourquoi on attend là? Je sais pas, voilà, je sais pas ce qu'on fait. Ouais, vous avez ça fait toujours 3 heures qu'on va faire une flica, tous les jours. Deuxième étage. On est deuxième étage. Vas-y. Non. Vas-y tout de suite. C'est ta faute hein mon gars. Y'en a qui étaient pas nés au cas où donc respect. Vas-y tais-toi Djibril, sale troller. Au bas de Minos là les modos. Ah ouais putain fait chier. Bah il est mort. Quoi? On l'a vu en live sa mort au cas où. Quoi pour la douche? Comment ça c'est comment pour la douche? T'avais dit quoi? Je sais pas. Eh ben c'est long un braquage hein, putain. Bah ouais. Tu sais que le mariage il y avait moins d'organisation hein. C'est incroyable hein. Bah ouais. Non mais c'est pour ça, là c'est qu'on a trois groupes différents, genre personne se comprend, tout le monde va dans tous les sens en fait, c'est ça le souci. Ah non, le souci c'est pas ça, le souci c'est que là pourquoi on va pas chercher un otage comme tout le monde dans la terre? Pourquoi on attend là? Parce que c'est les bails d'otages, ouais. Moi j'aime pas ce délire là, les bails d'otages prémédités, je sais pas quoi là. Go prendre un otage au pif, voilà. Bah oui j'en ai un. Ah Zama, c'est un otage qu'ils connaissent.
Je crois. Ah, ok. Non. Ah non, moi j'aime pas être comme ça. Non, en gros, ils vont chercher l'otage pour nous. Ah, ok. Donne-moi à manger, manger, vite, 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 j'ai faim. Coupe le moteur, donne-moi à manger, j'ai la dalle, vite, s'il vous plaît. Quelqu'un s'en donne à manger, vite, là, je suis là. Quitte à manger, s'il vous plaît, vite. Qui doit récupérer l'otage? Pour ta femme, bah cher, c'est bien fait pour toi. C'est vous? Tout à l'heure, il est là. Tiens, je te passe une clope, bro. Vas-y, ramène-le, l'otage. Eh, vas-y, Alfred, sort. Enfin, bien sûr, on va le faire le braquage ou pas? C'est horrible. Oh, putain, c'est bon, on va se remonter avec eux. C'est horrible. Écoute-moi bien, Alfred. Tu viens d'où, toi? Oh, vas-y, on s'en bat les couilles. Monte, Alfred. Voilà. Vas-y, monte, frère. Voilà. C'est bon, regarde, tu viens d'où? Tu fais quoi? T'as quel âge? Vas-y, vas-y, là. Bon, je vais demander sa carte vitale. Mais on s'en bat les couilles, vas-y, go. Ah, c'est bon, Roya, 2 heures pour un braquage. T'as dit quoi? Pression qui t'a là. Mais non, c'est bon, Roya, ça fait 3 heures qu'on attend de faire une fléca, frère. Une bijouterie, pardon. Ouais, tu viens d'où, Kishta? Moi? Kishta, oh les bâtards. Tout à l'heure, il m'a appelé Kishta, ce chien. Mufta, Mufta. Mufta. Par contre, Mufta, je sais pas d'où ça vient. Et c'est l'autre là, la meuf, ta meuf. Mais pourquoi m'appelle comme ça? T'as pas respecté. Ah, d'ailleurs, juste comme ça, Oui? Faut que je te dise un truc après, en flex. Oh la dinguerie. On va peut-être accueillir une autre femme dans le foyer. Merci. C'est pour les gammes à abuser. De quoi? C'est qui la nouvelle femme? Je suis sûr que ça fait ça. Des bijouteries déjà, non? T'inquiète. Regardez, quand il est tout nu sur la photo, regardez, s'il vous plaît, descendez pas. Descendez, les refs. Je vais mettre le lacrymo. Vas-y, go, j'ai avec toi. Vas-y, viens. Vas-y. Oh non, je vais te regarder en bas pour voir comment ça fait. Ah, j'avoue. T'as pas intérêt de te faire choper. Oh, les roses, ils ont voté pour moi. Et les bleus. T'es un real Jew, t'es pas incroyable. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, si tu craches le morceau, y'a moyen que je te donne un petit sucre, histoire que tu reprennes un petit peu de peps dans ta vie. Je crache tout ce que vous voulez, monsieur. Non, vas-y, pas tout ce que je veux non plus. Non, pas tout, bah, abuse pas. Vas-y, yo, tu peux, moi j'aime bien, yo. Comment ça, wesh, tu deviens bizarre, Big Blue, là. Yo, le quartier, j'en ai marre, les gars, yo. T'as envie de te convertir à Alfred? J'ai grave envie de le pécho, yo. Prof, dites yo tout le temps. Parce que Mario, on est des mecs du chiec son, t'es malade ou quoi toi? Ah ouais, G. Oublie jamais d'où tu viens, Big Blue. Oh, tu l'as fait le gros diamant là? Ouais, j'ai fait, ouais. T'as vu? Bah. Eh, c'est trop stylé! Oh bah, de ouf! Elle est tombée comme une saucisse. Roya, je vois, la porte elle était fermée, vous pouviez pas entrer au début. Si, en fait, on peut rentrer, mais. Pour que tu lances le braquage, en gros, faut que tu mettes la fumée pour que ça n'ait pas cramé. Ah, stylé. Par contre, il nous manque un otage. Quoi? Ah, il est devant. Ok. Mettre une zig, t'as vu? Je vais faire 5 pas en arrière. Et quand je vais revenir, faut que ton choix soit déter. Sinon, va falloir que tu lèves les mains en l'air. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs groupes là. Les tableaux. Je sais que je suis un diamant, mais j'ai pas le diamant. C'est peut-être. Un diamant. C'est peut-être le crâne chauve. Pas trop hérité d'un diamant. Doubler ses enfants. Mais non, ça a été pris les tableaux. Je suis en train de prendre pour vous là. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Non, on se partage après, t'inquiète. Mais non, on se partage après. Oh, doublé. Attends, t'inquiète, viens, je te montre un truc. J'ai le diamant. Il coûte 20 000. On le garde pour nous. Et comme c'est moi qui l'ai pris, tiens, je te le passe. Garde-le. Vas-y, bonhomme. Vas-y. Bonhomme. Il coûte combien? 20K. Vas-y. C'est le truc le plus cher. Faut le vendre au mec des peintures aussi. Je crois, ouais. Vas-y. Il est dans le nord. Ouais, t'inquiète, je sais. Vas-y, Roya. Vas-y. Pourquoi je saute la porte, elle est fermée? Vas-y. Et y'a toujours pas les flics? Hey, yo! Ok. Comment ça, y'a pas les flics? Trop de masques de forêt du monde. Ils sont la police? J'arrive, je crois, yo. J'entends des sirènes, yo. Ok. Voilà. Oh là. Contrôleur, c'est le hood. Voilà. On est derrière un caille. Family for life. On peut prendre un... Yo, yo, j'espère qu'elles sont disponibles parce que sinon Alfred va caler sur place. F4L, on vous fait la guerre, la police. F4L en force, nique les cops. Yo. On va vous faire la guerre. Fuck the police. On va tous vous tuer.
on va vous niquer. Voilà, au nom des F4L, on va vous tuer. Faites une descente chez nous, on s'en fout. Alors vous pouvez venir voler tous nos Uzi et nos MP5, bas les couilles. Aïe aïe aïe, restez bien derrière. On doit tout planquer dans un local vers le port. Messieurs, mesdames, bonsoir, bienvenue au braquage de la banque de la banque. Ok, voilà, bégayer, c'est trop long. On peut vous aider? Officier 99, officier 64, pour vous servir. Est-ce que nous pouvons avoir des présentations, s'il vous plaît, messieurs? Chacun, jetez-moi, c'est B2OBI. B2OBI. Ok, moi c'est Big Blue, yo, enchanté. Booby, je crois qu'il s'appelle Booby. Non, B2OBI, ok. Ouais, B2OBI. C'est pourquoi B2OBI. Non, c'est Booby. Écoutez-moi bien là, tous les deux. Écoutez-le. À l'intérieur, il y a plein d'otages, ok. En fait, ce qu'il est en train d'essayer de vous expliquer là. C'est que vraiment, il y a des individus qui sont là. Vraiment quoi? Les gars, vous voulez pas qu'on prépare un peu votre discours? Vraiment, je vous explique. Non, voilà, vraiment, c'est le policier qui vous la casse. Non, pour de vrai, dedans, otage, mourir, c'est vous, pas écoutez-nous. C'est bon, voilà. Non mais messieurs, vous êtes des amateurs, on comprend, maintenant concentrez-vous un minimum et soyez cool. On est des professionnels, madame. Refaites, on comprend pas là, on comprend pas. Attends, vous êtes arrivé, vous avez bégué à la première phrase, alors à moins que... Je te jure. Dans les négociations, on est là, on appelle un orthophoniste pour que vous appreniez à parler. Déjà, vous notez que ça discrimine. J'ai jamais vu une négociatrice qui vient avec un Subway. Ah pareil. C'est un Starbucks, pardon. C'est quoi? C'est un ice coffee ou quoi, yo? Non, c'est un frappuccino. Frappuccino, yo. On s'en fout, on a des otages dedans. Donc on veut deux menus. Vous en avez combien? Ils nous racontent vraiment leur vie, vraiment. On veut deux menus. Les otages. Ah ouais, ah vous voulez le faire? Vous avez viens là, lève les mains. Avance-toi. Avance-toi! C'est bon! Là, vous allez arrêter de boire votre café de merde! Vous allez nous prendre au sérieux! Vous allez nous prendre au sérieux ou pas là? Ok, c'est bon! C'est bon! C'est qui les amateurs maintenant? C'est qui les amateurs? Voilà le cas! C'est qui? Vous êtes enceinte, monsieur? Vous êtes enceinte? Oh, mets-lui une balle dans la tête à elle! Non, tu vas dans des sujets sensibles là, pourquoi tu fais ça, yo? Ouais, t'es en train de rentrer dans le cœur du sujet. J'ai pas compris. Vous êtes calmés, putain de merde, là. Bon. Bref, écoutez-moi bien. Écoutez, messieurs, dames, j'ai une proposition. Ouais. C'est 99 qui va parler, je crois. Ah, laissez-moi. Ouais, parce que vous, laisse tomber. On vous échange. Après, c'est leur dire de faire vite parce qu'il y a la plifflic à place des cubes. On échange. J'ai une proposition, ok. Dis-nous. Alors, je pense pas que là on est assez débordé et on aimerait bien faire ça rapidement. Vous savez, un petit Ok. Bah, bâclé quoi. Allez, on y va, essayez de nous attraper. Allez, demain on a compris. Nous on est prêts, les man. Allez, on va se casser, yo. Prenez les priorités comme elles viennent. Ok, ça va. Allez, on se casse. Sur la bijouterie. La bijouterie, vous me confirmez que tout le monde est. Allez, big up les flics. Attends, vas-y, grave, yo. Non, attendez, on est pas pris du tout. Ah, bah alors. Yo, faut savoir. Efficacé, parce que je change d'avis. Ce que je préfère, c'est pas mes listes. Voilà, on change d'avis, hein. Ok, en fait, ils ont fait l'autre d'abord. Désolé. On parle plus la même langue, non? Ouais, c'est bizarre tout ça, yo. Et reculez-vous là, périmètre de sécurité, sinon on fume les autres. Désolé, je suis désolé. Vous faites les fous encore une fois, là, butin. Ok, les man. Voilà, dealer Big T, dealer Big T. Il pourrait tuer pour un putain de burger, yo. Ouais, il a déjà fumé un mec parce qu'il lui a demandé une cigarette dans la rue. J'ai failli manger ma daronne à la naissance. Yo, raconte-lui l'histoire du cheeseburger, yo. Ouais, le mec il a essayé de voler ton cheeseburger, comment il a fini. Y'a un mec qui a essayé de voler mon cheeseburger, il a fini d'être dans les chaînes. Voilà, yo, moi je suis à ouf. Tout pour la bouffe. Attends, que la bouffe. Eh, Big T, je t'ai même filmé, yo. Je vais le montrer à cet enfoiré de flic. Regarde ça. J'avais le visage découvert, bro. Oh, regarde comment il a mis la tête dans les chiottes. Regarde, t'aurais pu tirer la chasse. Il a bu ma pisse, bro. Faut pas chercher Big T. Attendez. J'ai trop la dalle. Rappelez-moi un casse-croûte. Les bleus, ils ont voté quoi? Les rouges, ils ont voté quoi? Les roses, pardon. Les bleus, c'est quoi? Yo, on veut des menus. Le Big P, il me faut un casse-croûte. Moi aussi. J'ai trop la dalle, bro. Kishta, viens deux secondes. De quoi?
En gros, attends, mais ici c'est bien là, ça gueule trop là-bas. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Tout en haut, au dernier étage du truc, il y a une félène qui attend ce qu'on les butins. Pourquoi? Genre pour changer de voiture. Ah, mais c'est inutile. Bah, au cas où, si c'est la merde, pour changer de voiture. Ah, au cas où. Oui, au cas où. Ah oui, vas-y. Au cas où on n'arrive pas à les semer avec la méthode. Ouais. Par contre, faudrait mettre équitablement les butins, histoire de pas te mettre sur le. Ouais, mais attends, mais non, justement là. On a un petit peu vu, t'inquiète. Ça, faut voir après. Là, en fait, ce qui est en train de me te saouler, c'est qu'ils sont en train de. Ils sont sur une flica là, à côté là. Putain. Ouais. Genre, pour eux, c'est plus important, ils ont dit la flica que la. Bah, je sais pas. Genre, dessus, nous, on est quoi, on est dans des pétasses? Je sais pas, en vrai, nous, on va se barrer. Hein. Bah, ah, ouais. Peut-être, attends, peut-être. Oh, comment j'ai esquivé la question.